Bonjour, 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 installez-vous, sortez les feuilles, prenez vos stylos et préparez-vous pour le premier focus. En fait, j'y vois rien du tout avec ça. Mais Marie, le focus, c'est quoi? Alors oui, le focus, ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un livre en particulier. Bah oui, mais Marie, tu veux leur parler de quoi? Enfin, comment tu veux parler d'une œuvre sans spoiler? Ah mais si, attends. Je peux parler de la structure? Ouais, je peux parler de la structure. Et même du style. Du style, de l'auteur. Et puis, je peux tout simplement vous dire pourquoi je l'ai aimé aussi. Et pourquoi il faut que ce soit le prochain livre sur votre liste de lecture. On fait ça? Le livre dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est celui-là. C'est Art de Yasmina Reza. Il est tout petit. Il fait quoi, 80 pages à tout casser? Oui, mais c'est pas plus mal, hein. En même temps, c'est une pièce de théâtre, donc c'est presque mieux, parce que comme ça, tu peux le lire d'une traite comme si t'étais à la représentation. Le style de Yasmina Reza, ça c'est quelque chose. C'est simple, épuré. Au niveau des répliques, on a pas mal de raccourcis, de formules elliptiques comme ça. Ce qui est bien dans ce texte, c'est les moments de silence. Ouais, en fait, ils sont carrément précisés dans les didascalies. Et du coup, on se dit, ah, il y a un truc. Et oui, parce qu'en fait, ces silences, ils sont pleins de sous-entendus et de non-dits. Comme chez Beckett? Mon ami Serge a acheté un tableau. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Médecin dermatologue, Serge aime l'art moderne et Sénèque, qu'il trouve modernissime. Ingénieur dans l'aéronautique, Marc a des goûts plus traditionnels et ne comprend pas que son ami Serge ait pu acheter cette merde de 200 000 francs. Quant à Yvan, représentant dans une papeterie, il aimerait ne contrarier aucun de ses deux précieux amis. Mais les disputes esthétiques autour du tableau blanc dégénère dans un crescendo hilarant et féroce qui ne laissera personne indemne. Donc en fait, c'est ce mec-là, Serge. Il a acheté un tableau blanc, ou presque blanc. Sauf que son pote-là, Marc, bah lui, il aime pas l'art contemporain, il comprend pas, il préfère la peinture figurative. Alors du coup, il s'engueule. Et puis, t'as Yvan au milieu. Il y a ces deux potes qui se disputent et lui, il est là. Non mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Donc ce qui va déterminer la structure de la pièce, c'est pas des actes et des scènes, c'est bien ces relations conflictuelles entre Serge et Marc, et ensuite Serge, Marc et Yvan, qui va être au milieu et qui va finir par se positionner. Le schéma actantiel, ce serait Serge en tant que sujet, personnage principal si vous voulez. Yvan, son adjuvant. Et sa rime. Leur opposant, Marc. Et l'objet, l'objet de désir et de parole, serait le tableau. Alors, j'ai fait un peu de théâtre. Et en impro, on faisait des trios. Nous, ce schéma,
On l'appelait le schéma du bourreau, de la victime et du témoin. Et en fait, ça permet de renverser les rapports de force. Par exemple ici, Yvan, il est témoin, il est arbitre, il est neutre. Mais quand il va prendre position, ça va changer la donne. Entre autres, on a un dialogue autour de la valeur d'une œuvre d'art, avec différents jugements, qui va dériver vers des trucs un peu plus personnels, du genre « le gars, il insulte sa femme, c'est pas très gentil, voilà ». Et quelques réflexions sur l'amitié, qui est complètement mise en péril dans cette pièce. Mais en fait, c'est même plus l'œuvre d'art qu'ils attaquent ou qu'ils défendent. C'est eux-mêmes. Alors du coup, ça pose une autre question. Et oui, parce que s'ils jugent subjectivement cette œuvre d'art, bah ça veut dire que, quelque part, peut-être que leurs conditions sociales influencent ce jugement. Je m'explique. Dans un entretien paru dans l'Express le 10 avril 2002, Yasmina Reza dit « L'être vieillissant est beaucoup plus fascinant. Le devenir social est derrière soi. On a relativisé. Voilà ce qui est passionnant à regarder et à écrire. » Du coup, cette pièce, elle pose plusieurs questions. Quel est le rôle de la condition sociale dans l'accès à la culture, à l'art, hein? Et cet amour de l'art, inné ou acquis? Je vous raconte pas la fin, mais je la trouve vraiment ingénieuse. Elle reste ouverte et elle permet de se poser toutes ces questions. Cette pièce, elle nous parle de l'art, mais elle nous parle aussi de la façon dont on le voit. Elle nous parle des relations humaines, tout simplement. Ce que j'ai bien aimé dans cette pièce, c'est cette simplicité, dans la structure et dans les mots. Alors, pour finir, petite citation. En réalité, je ne supporte plus aucun discours rationnel. Tout ce qui a fait le monde, tout ce qui a été beau et grand dans ce monde, n'est jamais né d'un discours rationnel. Les enfants, j'ai raté. Comment c'est possible de rater une phrase, putain ? Je vous dirai aussi pourquoi j'ai aimé et pourquoi ça doit être le prochain livre sur votre liste de lecture. Ça fait très promotionnel. Abonne-toi. Et puis là, t'as Yvan au milieu. Puis là, t'as Yvan au milieu. Aïe. Et puis là, t'as Yvan au milieu. Puis là, t'as Yvan au milieu. Lui, il est ni pour. Puis là, t'as... Et puis là, t'as Yvan au milieu. Et puis là, t'as Yvan au milieu. Ah mais merde, ça tourne !